Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Sud Clavier. Et voilà, je m'appelle Peter et je vous ai déjà fait une petite vidéo comment installer le Phantom EX, le upgrade de cette plateforme évolutive. Parce que vous le savez, en fait, chez Roland, nous avons choisi de ne pas chaque fois changer d'instrument parce que le Phantom, il est équipé des meilleurs convertisseurs, des meilleures résolutions ou définitions au niveau de contrôle et des meilleures sources sonores. Mais il y a assez de place pour renouveler l'instrument à l'intérieur, rajouter des DSP, rajouter des fonctions, rajouter des moteurs sonores et tout ça, mais tout dans un grand paquet qui le rend toujours sur sa place méritée, au top en fait des claviers maître studio d'enregistrement sur scène, ainsi de suite. Regardons enfin un peu ce qu'il y a dedans. Nous avons déjà, dans la vidéo précédente, nous avions installé les expansions. Maintenant, regardons ce qu'il y a dedans. Commençons avec le nouveau V-Piano. V-Piano, un instrument virtuel qui va en temps réel calculer chaque élément d'un piano acoustique. Pas d'échantillonnage, alors il n'y a pas d'échantillon. Et il est entièrement polyphonique. Ça veut dire que dans le Phantom, vous avez 256 voix de piano V-Piano sur tout le clavier, sur le premier moteur. Et en plus, vous avez 256 voix de Zencore ou autre expansion modèle et rajoutant maintenant encore la technologie ACB en plus. V-Piano, le premier piano qu'on avait au lancement du Phantom. Là, je le joue avec la reverb de la version avant le Phantom EX. Maintenant, je vais utiliser la même reverb, mais nous allons changer vers le nouveau German Grand, basé sur un calcul de piano Steinway, et intoné de la même façon, et comme vous le savez, et vous pouvez le regarder sur l'écran, un nouveau accès de piano visible, avec l'entièreté de tous les paramètres V-Piano accessibles pour le tuning, pour le niveau, les caractéristiques, les multi-effets, ainsi de suite. L'avantage du V-Piano dans le Phantom, c'est bien que je peux rajouter des multi-effets sur ce piano. Maintenant, j'utilise juste un peu de reverb. On fait la même chose. Il va de soi avec un piano full polyphonique. On est vraiment à l'aise comme pianiste, comme instrumentaliste sur scène parce qu'il ne faut jamais avoir peur de rater des voix. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Par exemple, si vous êtes plus romantique. Et entendez les étouffoirs se lever. S'il y en a de trop, je peux aller dans, en fait, l'éditeur, en fait, dans l'écran tactile pour le changer. Et là, vous pouvez attendre. Il fait exactement ce que le piano acoustique fait. Il n'y a pas de boucle puisqu'il n'y a pas d'échantillonnage. Ce que j'aime bien avec le piano, c'est de spatialiser le son avec une reverb. Je peux le faire maintenant avec une nouvelle reverb. Pour ça, je vais aller regarder dans l'effect edit. Je vais dans la reverb et au lieu de la SRV2000 qui était top, nous avons rajouté une shimmer reverb. Et la shimmer, vous la savez, en fait, les réflexions, on peut les transposer, ainsi de suite.
elle est très haute en densité. Je vais rajouter un peu de modulation. Voilà. Et ça va changer le son encore. Le rendre encore mieux. Vous entendez cette transposition de réflexion? Je vais la mettre plus fort. Moi, ça ne me plaît pas pour un piano. Je le mettrai plutôt sur des sons de guitare. Alors, je vais les mettre à zéro. Tac. Alors, nouvelle reverb shimmer, nouvelle reverb de modulation en plus, nouveau son de piano, V-piano. Ça ne s'arrête pas là. En plus du V-piano, je vais baisser un peu la reverb de nouveau. Ok. Tac. Nous avons rajouté également en fait des sons de piano échantillonné Supernatural, ce qui veut dire pas celui de Hambourg, mais le même piano fabriqué à New York. Un New York Grand Piano. Celui-là, je le trouve dans les Supernatural Expansion Pianos. Et je vais prendre d'abord Warm Artists. On entend tout de suite le changement, en fait, le goût américain qui est différent. C'est plus poppy, c'est très moderne. Ça perce bien dans un groupe, dans un band. Mais ce que j'aime aussi, c'est en fait les pianos Felt qui sont très populaires. Il vaut mieux le jouer avec la nouvelle reverb. Et plein d'autres sons de piano qui sont à l'intérieur. Alors, piano, c'est coché. Reverb, c'est coché. Regardons d'autres sons. Dans le premier moteur où j'ai le V-piano, maintenant, quand je regarde ici, je peux me mettre en ACB. ACB, nous savions que nous avions déjà le Jupiter 8, le GX8P, le SH101 et le Juno 106 en Model Expansion Zencore. Cela veut dire que c'est une modélisation des ancêtres de ces synthés à base numérique, avec les caractéristiques et les types de filtres typiques, mais avec beaucoup plus de polyphonie que l'original. En ACB, nous allons carrément aller dans l'ADN de l'instrument et reproduire avec une des puces BMC un Jupiter 8 complètement. Et à partir d'aujourd'hui, je pense, oui, vous allez retrouver le SH101 aussi en ACB. Ça veut dire que là, il devient vraiment de nouveau un synthé. Et rappelez-vous, le Phantom est un synthé équipé d'un filtre analogique. Alors, je peux carrément le considérer comme un vrai synthé. Et regardons quelques sons. Thank you.
déjà avant, le moteur synthé se contrôlait de ce côté-là. Si maintenant je vais regarder dans l'oscillateur, je vais retrouver exactement, en fait, une reproduction des boutons rotatifs, des curseurs, des switches du Jupiter 8. Mais évidemment, Roland a rajouté aussi un mode mapping qui me permet, en fait, non seulement sur l'écran tactile, de paramétrer, mais aussi en utilisant le curseur niveau. La cross-modulation. Bien sûr que dans chacune de ces catégories, je trouve pas mal d'autres sonorités. Low string. Des voix. Ou des sons plutôt percussifs. Que je peux là évidemment aussi utiliser avec l'arpégiateur ou la fonction accord qui est dans le Phantom. N'oublions pas en fait la haute définition au niveau des filtres. Alors le Jupiter 8 et les SH-101 qui se sont rajoutés. Continuons avec autre chose. Dans ce que nous avons rajouté en Model Expansions, c'est le JD-800. Le JD-800, c'est un synthé des années 90-92, connu pour sa surface avec pas mal de contrôle dessus. Voilà. Et quand j'appuie sur l'édition, remarquez qu'en fait, les graphiques ont changé vers un layout tout à fait, un plugin du JD-800 également. La nappe massive. Un son qui a été utilisé par pas mal d'artistes mondiaux. Basse. Ce qui est avantageux, c'est de pouvoir, en fait, maintenant, lancer le JD-800 dans un filtre analogique. Ce qui était important avant, pas faisable, mais maintenant, dans le Phantom, je peux le faire. Évidemment. Alors, toutes les sonorités du JD-800 originaux sont reprises, bien sûr, également. Alors, V-Piano. Concert Grant, New York. JD-800, Jupiter 8 en ACB. Vous allez bientôt recevoir le SH-101, en plus dans le package. Et Enzyme. Enzyme est un moteur de synthèse à table d'ondes. Écoutons quelques sons.
Alors, un synthé à table d'onde fonctionne différemment, ce qui veut dire qu'il va se servir pas non seulement d'une onde, mais d'une table entière. Comment ça se présente sur le Phantom? On regarde ici. J'ai en fait différentes tables que je peux utiliser. J'en ai deux par oscillateur. Je peux en avoir jusqu'à 16 simultanés de moteurs de double table d'onde. Et là, j'ai en fait un choix de différentes tables. Je vais commencer par vous montrer ça en initialisant un son. Là, je suis dans une table de sinus. Et là, avec le curseur, vous allez retrouver plus d'infos sur le Enzyme dans une autre vidéo de Sud-Clavier où je l'ai déjà expliqué, mais juste pour faire un petit recap. Je peux le faire avec l'écran tactile parce qu'il est extrêmement réactif. J'ai une deuxième table avec un layer, je peux aller sur une autre table et là je pourrais par exemple... J'ai mes deux tables et maintenant je peux les faire moduler, je peux en fait changer la phase, le shape. Alors je peux changer la phase de l'onde fondamentale et puis je peux même changer, faire de la distorsion d'onde avec le shape modulateur. Là évidemment j'ai la possibilité de le faire affecter par une enveloppe, par le LFO, par la vélocité ou juste manuellement avec le curseur comme je l'ai fait ici ou par le step LFO. Et avec le step LFO, je vais... Quand je vais dans le step, je peux dessiner ou paramétrer avec les potards, en fait, les amateurs en fait de synthé modulaire vont savoir que le Phantom est également en fait équipé en fait de entrée-sortie CiviGate deux fois. Alors, ça fait rêver pour les amateurs de table d'onde. Alors, vous avez le Enzyme en plus. Et plein d'autres fonctionnalités qui se sont rajoutées dans le Phantom EX. Par exemple, a priori, quand je suis dans le séquenceur et je veux jouer une song, un morceau, parce que chaque scène consiste d'un morceau, si on le désire. A priori, il était basé sur le clip sequencer. Maintenant, vous pouvez aussi, en appuyant sur Shift et Song, le changer dans un lecteur ou enregistreur fichier MIDI. Ce qui veut dire que je peux faire passer des séquences en linéaire dans le Phantom, comme nous l'avons fait dans le Phantom Zero avant dans la dernière mise à jour. Pour terminer, encore quelques autres fonctions. Il y a des fenêtres en fait de paramétrage dans le Zone View qui se sont rajoutées pour filtrer par exemple certains paramètres, certains comportements des engins à l'intérieur. Et à la fin, vous allez voir que dans la partie Master FX, Tone FX et Master EQ, que nous avons changé en fait les fenêtres graphiques qui sont devenues comme un plugin. Vous allez voir clairement en fait, même l'audio qui passe et je peux aller dans ces paramètres. La même chose pour le Master EQ, où je pourrais par exemple clairement voir ce que je suis en train de faire au lieu de juste en fait avoir des paramètres, des valeurs. Récapitulons alors ce que c'est le Phantom EX. C'est pas une mise à jour, malgré elle demande de mettre à jour l'instrument, mais en fait c'est vous allez monter votre Phantom au niveau 1.0 de la prochaine génération d'évolution. Avec les meilleurs convertisseurs, le meilleur clavier sur le marché et des tonnes de sons. N'oubliez pas de vous inscrire aussi sur Roland Cloud pour trouver beaucoup plus de soundpacks pour cet instrument, des packs avec des échantillons, des packs de tones et ainsi de suite. Tout ça vous retrouvez. Jouons un petit morceau qui met tout ensemble.